Bonjour. Aujourd'hui, on va toucher les arbres disponibles par ELE. ELE, comme appeler, rappeler. D'accord? On le conjugue au présent. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Si vous remarquez bien, parfois on a deux L, parfois on a un seul L. Ou bien, dans les personnes. La première personne, la deuxième, la troisième du singulier et la troisième du pluriel, nous avons deux L. Mais dans la première personne du pluriel et la deuxième du pluriel, un seul L. Comment? Remarquez bien la prononciation. J'appelle, tu appelles, il appelle. Mais ici, non. Nous appelons, bien nous appelons. Vous appelez, ils appellent. La prononciation se change. Se change. Alors, lorsque cet E est accentué, il est suivi de deux consonnes. J'appelle. Ici, le E muet. Nous appelons. D'accord? Alors, comme d'habitude, voilà les formes de l'impératif. Appel, appelons, appeler. Le radical de l'imparfait, tandis que l'imparfait a une seule base, alors bien un seul radical. Alors, toutes les formes vont contenir un seul L. J'appelais, tu appelais, il appelait, nous appelions, vous appeliez, ils appelaient. Le futur et le conditionnel, deux L, parce qu'on prononce, on accentue ces deux. J'appellerai, ainsi de suite. D'accord? Alors, le passé simple, un seul L. D'accord? Parce qu'une seule, la même chose, un seul radical. Le subjonctif, on vient de l'étudier. C'est le nous et vous de l'imparfait et le présent. Que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, que nous appelions, celui que vous appeliez, celui qu'ils appellent. D'accord? Bien. Regardez bien. Alors, pardon, le participe passé, appelé, avec l'accent, un seul. Le participe présent, la même chose, un seul. Regardez bien cette liste. Ici, les verbes doublant L devant un E muet. Ça veut dire les verbes qui se conjuguent comme le verbe appeler de cette façon. Ils doublent le L. Donc je, tu, il et il pluriel. Mais nous et vous, un seul L. Alors, amonceler, atteler, botteler, caroler, chanceler, titeler, ensorceler, épeler. Ici, on a dit deux L. Sauf nous et vous, deux présents. Étincelé, ficelé, harcelé, morcelé, nivelé, râtelé, renouvelé, ressemblé, ruisselé. Ces verbes-là se conjuguent comme le verbe appeler. Maintenant, quels sont les verbes qui ne se conjuguent pas comme appeler? Ce sont les verbes qui ne doublent pas le L devant un E muet. Quels sont ces verbes? Démanteler, marteler, modeler, peler, seler, ciseler, déceler, geler, dégeler, congeler, écarteler. Alors, si je veux conjuguer un de ces verbes qui ne double pas le L, j'ai choisi le verbe peler. Regardez bien. Alors, à la place où on met de L, on met là l'accent. Je pèle. Accent grave. Tu pèles, accent grave. Il pèle, accent grave. Ne pelons, vous pelez, il pèle. D'accord? Ben, ce n'est pas comme le verbe appeler. Ou on double de L. Ici, on va mettre, lorsque le E est prononcé, on va mettre accent grave. Alors ici, L, pelons, pelez. L'impératif. L'imparfait. Je pelais, toutes les formes comme ça, il n'y a pas l'accent. Le futur, le conditionnel, on va mettre l'accent de toutes les personnes, toutes les formes. Je pelais, il n'y a pas l'accent de toutes les formes et personnes. Le passé, il n'y a pas l'accent. Ici, l'accent, je parle de cet accent. Grave, pelais, ici, pelons. Passé présent, il n'y a pas l'accent. Quels sont ces verbes? Je le répète. Démanteler, marteler, modeler, peler, seler, ciseler, déceler, geler, dégeler, congeler, écarteler. Ces verbes-là ne doublent pas la consonne, ne doublent pas le L, mais ils prennent l'accent, ils se conjuguent de cette façon.
Quels sont les verbes qui sont conjugués comme appeler? Ça veut dire il double L. Les voilà, s'il vous plaît. Il faut les apprendre et les mémoriser. Amonceler, atteler, botteler, caroler, chanceler, dételer, ensorceler, épeler, étinceler, ficeler, harceler, morceler, niveler, atteler, renouveler, ressembler, ruisseler. D'accord? Alors voilà la leçon. C'est un peu compliqué ces verbes-là, eler, parce qu'il y a des verbes qui doublent. Qui double L, il y a d'autres qui ne doublent pas le L. Mais faites attention, il y a une petite remarque ici, ce verbe-là, interpeller, il s'écrit avec deux L, mais il se prononce comme un seul L, j'interpelle, etc. Mais faites attention, il garde toujours les deux L, il les garde toutes les formes, dans tous les temps, dans toutes les formes. J'interpelle, nous interpelle, d'accord? Allez, ainsi de suite. Merci bien.